Et pour un entrepreneur, la base des bases des bases, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Alors aujourd'hui, j'accueille Aurélien Garrigaud. Est-ce que tu peux te présenter, Aurélien? Bon, déjà, salut Cyril, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et c'est un véritable plaisir d'être ici. Donc, comme tu l'as dit, moi c'est Aurélien, j'ai 28 ans, donc je suis sur la région toulousaine directement, peut-être ça s'entend avec tout le monde. Voilà, on me le dit souvent, mais voilà, j'aime bien. Voilà, ça me va bien. Et oui, donc aujourd'hui, moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat. J'entreprends depuis que je suis étudiant. Donc, ça fait 6-7 ans maintenant. Et donc, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs activités, plusieurs business. Donc, un qu'on a en commun en termes de philosophie. On a l'occasion d'en discuter. Et aujourd'hui, donc, j'ai trois pôles d'activité qui tournent. Des business en ligne, une activité dans le marketing de réseau et donc une agence entrepreneuriale qui accompagne des activités de service à pouvoir se développer. Donc, on s'assied aussi avec eux sur des durées de 6 mois où on les aide à casser leur plafond de verre pour qu'ils puissent, ben, du coup, croître et aller atteindre leurs aspirations. Et en plus de ça, en cohérence avec cette agence entrepreneuriale, on est en train de monter un écosystème, ben, qui est gratuit, qui va donner toutes les armes à ces indépendants et ces activités de service pour aller atteindre leurs aspirations. Voilà. En gros. Tu ne savais peut-être pas, mais je suis né à Toulouse. Tu m'avais J'y pas. suis juste né. Tout un écosystème, donc plein de choses. Alors, c'est l'écosystème, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi avoir choisi un écosystème? Quel est le lien entre l'écosystème et les trois activités que tu as décrites avant? En fait, si tu veux, à la base, cet écosystème s'est construit autour de ce qu'on appelle la marketing, ce lead magnet, en fait, ce cadeau gratuit que j'ai amené. Et en fait, c'est venu naturellement. Au début, si tu veux, c'était ce que j'appelais les emails VIP, qui était une formation continue par email que j'offrais gratuitement aux gens. Voilà, le but, concrètement, sur le marketing, c'était de pouvoir attirer des prospects et ensuite pouvoir les convertir en clients en leur amenant de la valeur. Et C'était un email par jour? c'est ça, un email par jour, où c'est qu'on traitait un sujet en rapport à l'entrepreneuriat et le monde du service. Donc, ça peut être acquisition client, ça peut être développement de business model, trouver son service, gérer sa structure de coût, vraiment tout ce qui est un lien de près ou de loin avec l'entrepreneuriat dans ce monde-là. Et sauf que, ben, au fur et à mesure, ben, envie d'améliorer ce lead magnet, j'ai commencé à créer un groupe, puis après à créer des séances de travail pour vraiment créer tout un parcours prospect. Et un jour, je me lève à 2 heures du matin et je fais, putain, mais en gros, ce que je suis en train de créer, c'est un écosystème. Et au début, je l'amenais plus sur le terme mouvement, mais au fur et à mesure, ben, d'une réflexion, d'itération, de ce confrontation au marché, ben, on est vraiment arrivé à ce que je voulais, écosystème. En gros, si tu prends en écologie, l'écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants en interrelation qui vont échanger de l'énergie, des informations pour produire de la vie et pour évoluer. Mais en gros, je me suis dit, ben ouais, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de cet écosystème-là pour produire de la vie, du chiffre d'affaires, vivre et pour évoluer autant personnellement que professionnellement, créer de la valeur, créer des entreprises qui impacteront le monde, etc. Et pour ça, ben, il y a besoin d'avoir une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui vont pouvoir s'entraider, qui vont pouvoir grandir grâce à du contenu, créer des vraies relations, des échanges d'informations grâce à des séances de travail et derrière pouvoir s'entourer, ben, des bonnes personnes. De prestataires, d'agences, etc., de coachs, etc. Quelles sont les valeurs de la communauté ou de l'écosystème, justement? Alors, les valeurs, au final, vu que c'est moi l'initiateur, elles reprennent un peu mes valeurs, mais ceux qui s'y joignent, on va dire, s'y retrouvent. En gros, t'as la première qui est cette valeur de l'engagement, c'est-à-dire on s'engage ensemble à travailler ensemble et à se faire grandir, en fait. Ça se regroupe aussi avec cette notion de synergie. Je suis persuadé que c'est un donnant que l'on reçoit et qu'on peut créer des synergies tous ensemble. C'est aussi une notion de fun. C'est-à-dire que, ben, la vie, elle est trop courte pour la prendre au sérieux. Pour prendre au sérieux, du moins. Mais par contre, c'est aussi parce qu'elle est trop courte pour la prendre au sérieux. Il y a une nuance Ah ouais, ah c'est pas mal, ouais. par rapport à tout ça. Mais ouais, je veux vraiment qu'on dise, OK, alors, je veux pas qu'on soit quelque chose de corporate. On est là pour travailler, mais faire du fun, quoi. Pour même mettre du fun dans ce qu'on fait. Et si je dois dire une troisième valeur après l'engagement, synergie et cette notion de fun, c'est cette notion de rêve. C'est-à-dire qu'on peut rêver.
On peut rêver de construire un monde à notre image et de pouvoir impacter ce monde-là, impacter notre entourage, impacter notre vie. Voilà, rêver, quoi. Alors, tu dis construire un monde à notre image. Quelle est l'image justement? Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Est-ce qu'il y a essentiellement des grosses entreprises? Il y a des moyennes entreprises, des ETI, des gens individuels, seuls, etc. Quelle est Alors, justement cette image? en gros, aujourd'hui, c'est des indépendants et des petites structures dans le monde de service. Donc, TPE, moins de 10 personnes. En général, c'est ça. Même si, évidemment, ponctuellement, t'as d'autres personnes, d'autres environnements qui se joignent à cet écosystème, mais c'est vraiment à la base des indépendants et des petites activités de service qui n'ont pas forcément pour envie de vouloir construire des entreprises multimillionnaires, etc., mais vraiment pouvoir, encore une fois, impacter leur monde à eux, à leur échelle, en fonction de leur aspiration. Mais voilà. Mais il y a une notion d'ambition. Après, ça dépend où tu mets l'ambition, mais il y a une notion d'ambition qui est super importante. Une personne qui veut gagner 1 500 euros par mois et qui veut ne plus évoluer de ce modèle-là, clairement, cet écosystème n'est pas pour lui. Ouais, pas assez ambitieux. Voilà. À l'inverse, celui qui veut monter le prochain Uber ou Airbnb et conquérir toute la planète. Il pourra après pour monter le Uber, Airbnb, ça, à un moment donné, il va falloir qu'il change aussi d'écosystème avec un écosystème plus start-up. Il n'est pas au bon endroit pour le départ, ça peut. Parce que mine de rien, quand tu parles d'Uber, il y a cette notion de service qui est toujours là. C'est un service sous forme de produit digital, mais ça reste une notion de service. Donc pour le départ, ça pourrait être un écosystème qui lui correspond, mais ensuite, c'est sûr qu'à un moment donné, il va être amené à rejoindre des écosystèmes peut-être comme The Family ou d'autres écosystèmes plus start-up. Mieux adapté à lui, quoi. Ouais. Alors, tu parlais un écosystème, il faut qu'il se nourrisse. Généralement, il y a de l'énergie qui rentre dans un système. Sur la Terre, c'est le soleil qui l'apporte. Qui est-ce qui l'apporte chez toi? J'aimais cette notion de producteur et consommateur. En fait, si tu veux, dans cet écosystème, je pense que chacun à notre échelle, on va pouvoir se retranscrire en 3 phases. Il y a la première phase où c'est que ben, on a des aspirations, on a des problèmes à résoudre. Donc on va pouvoir se challenger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont les mêmes ambitions, et créer vraiment une dynamique de croissance en se challengeant. Donc créer de l'énergie de cette façon-là. Deuxième point, on va pouvoir s'entourer de personnes qui sont déjà là où on voudrait être, qui vont pouvoir nous transmettre aussi cette énergie. Et troisième point, c'est que cette énergie, on va pouvoir la redistribuer à des personnes peut-être qui viennent juste de commencer, à laquelle on a un peu plus d'avance qu'eux, on va pouvoir leur transmettre aussi. Et en fait, du coup, ça te fait un écosystème à 3 étapes. Des personnes qui sont là où je veux être, des personnes qui sont au même niveau que moi, et des personnes qui sont, entre guillemets, on va dire, comment je pourrais le dire, pas plus bas, mais qui sont à une phase plus Qui en amont. démarre. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as un flux continuel de nouveaux entrants dans l'écosystème? Alors, cet écosystème, ça fait à peu près, c'est tout récent, ça fait à peu près un mois. Là, on est encore d'ailleurs en mode de ce que j'appelle MVP. Je sais pas si c'est un terme qui te parle. Minimum. Je sais pas pour les auditeurs s'ils connaissent ce terme, mais en gros, c'est se dire on va créer quelque chose vraiment de minimum et viable pour tester si l'idée fonctionne. Et après, de là, on va mettre de l'énergie, on va mettre du temps. Donc là, on est encore dans ce mode-là où c'est qu'il y a encore quelques petits réglages à affiner. Pour le moment, donc, on est 363, il me semble, inscrits. Pas mal déjà. Ouais, après, on a joué sur le réseau. Donc voilà. C'est un début. Et là j'avais un peu coupé la communication et je suis en train de chercher justement un stagiaire avec qui je vais pouvoir travailler sur vraiment du content marketing pour amener beaucoup de contenu et pour pouvoir faire grandir cet écosystème. Et l'objectif, la vision, c'est d'ici un an qu'on soit 10 000. À 10 000. Ouais. Ah oui, donc c'est pas un petit groupe intimiste, c'est plutôt une plateforme, quoi. Ouais. L'objectif à long terme, c'est créer vraiment une plateforme. Or, c'est que les gens puissent réserver des séances de travail collaboratives entre eux, faire l'intelligence collective, etc., qui puissent capter du contenu qui leur correspond. Tellement
de contenu sur YouTube, sur LinkedIn. Bon, moi, je vais sur mon LinkedIn, à chaque fois, je suis waouh, qu'est-ce que je vais regarder? Et je suis perdu. Et en fait, j'ai envie de rien regarder, en fait, tellement il y a de contenu des fois. Et le but, c'est de se dire, ben, dans cet écosystème-là, tu es sûr de trouver quelque chose qui correspond à toi si tu es indépendant ou petite activité de service, qui va t'aider à grandir. Donc Et ce contenu-là, c'est ça la promesse, quoi. Tu es ouais. indépendant et tu veux grandir et tu es dans une activité de service. Ouais, c'est ça. Et dans cet écosystème, ben justement, tu vas retrouver toutes les armes, toute l'énergie pour pouvoir grandir. Alors, on retrouve de l'énergie. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre? Ou qu'est-ce que Alors, tu veux qu'on y retrouve d'autre demain? c'est quelque chose qui va évoluer. Comme je vous dis, on est en mode encore MVP. Donc forcément, là, ça, on laisse la place à beaucoup d'itérations. Et le truc, c'est de le construire aussi ensemble, avec les gens qui composent cet écosystème. C'est que, en fait, chacun à notre échelle, je veux pas que ce soit l'écosystème d'Aurélien, si tu veux. Je veux que chacun à notre échelle, chaque maillon puisse amener un peu de son ADN et petit à construire, ben, construire une chaîne d'ADN qui correspond un peu à toutes les personnes, que chacun puisse amener sa pierre, en fait. Mais du coup, je crois que j'ai perdu le fil de ta question. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait demain en plus de l'énergie? Est-ce qu'il y a des Voilà. services? Est-ce qu'il y a des réductions? Enfin, je sais pas. Ouais, je pense qu'on peut imaginer plein de choses. Voir plein de choses. Donc, pour grandir, je pense que tu as une notion principale qui, pour un entrepreneur, la base des bases des bases, c'est d'avoir s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que si tu es entouré des bonnes personnes, quoi qu'il arrive, enfin, tu peux a priori que réussir. Si tu es une bille en marketing, bah, tu t'entoures d'une personne qui est forte en marketing. Si tu es une bille en développement, bah, tu vas t'entourer d'une personne. Si tu es même une bille en entrepreneuriat, bah, tu vas t'associer avec un entrepreneur. Si ça, c'est cette capacité à avoir une vision et amener des gens dans cette vision, à t'entourer des bonnes personnes, derrière, c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, au-delà de l'énergie, ça repose aussi sur cette notion-là qui est de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Donc, il va y avoir c'est en train de se construire des référents, des partenaires, pour être qualifiés. En fait, le but, c'est aussi, toujours dans cette notion d'obésité de l'information, etc., tu vois, beaucoup de consultants, de coachs, etc., c'est de sélectionner, de trier sur le volet vraiment des professionnels qu'on a certifiés qualité, qui vont être des référents de cet écosystème-là, et les gens vont pouvoir s'entourer de ces personnes-là sur des séances de travail gratuites que chacun va pouvoir offrir. Et s'ils veulent aller plus loin derrière, ben, les prendre comme prestataire, coach, consultant, etc. Après, derrière, il va y avoir de la formation qui va arriver, évidemment. Il y a du contenu déjà qui arrive avec du partage d'expérience, des interviews, des outils, de l'inspiration, du parcours, des expertises, enfin voilà. Donc si, pour illustrer, si je prends un exemple, t'as quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une idée, mais c'est une bille en pub Facebook. Il peut trouver dans la communauté quelqu'un qui va lui faire ses pubs Facebook. Voilà. Ce qu'il pourra faire, c'est que déjà, il pourra regarder dans les partenaires référents. Il pourra dire, ben voilà, j'ai Alexis qui fait la publicité Facebook, réserver une séance de travail avec lui qui sera gratuite. Du coup, derrière, pouvoir déjà prendre quelques armes et savoir où il va. Derrière, s'il veut aller plus loin tout seul, il aura du contenu gratuit sur la publicité Facebook. Mais s'il se dit, ben moi c'est pas du tout ma spécialité et j'ai envie d'aller plus vite, de gagner du temps, il pourra s'entourer d'Alexis ou peut-être se former sur une autre formation qu'il y a sur le sujet. D'accord. Après, maintenant qu'il fait ses pubs Facebook, il se rend compte que, ah bah tiens, j'aurais besoin d'une application mobile qui pourrait me servir. Est-ce que j'ai un développeur mobile? Il y en a plein. Il y a quelqu'un qui fait du développement mobile dans la plateforme. Voilà, donc c'est ça l'idée. Ouais, Donc c'est ça. tu es en train de monter une marketplace quelque part. Il y a de ça. Il y a une notion de marketplace, mais cette notion de marketplace, en fait, elle est basée sur aussi une valeur qui me tient, c'est de donner. En fait, donner pour recevoir. Parce que dire, donc, je veux que ce soit à la base du contenu, des séances de travail gratuites, des séances de travail collaboratif. J'insiste sur la notion de collaboratif. Et derrière, après, oui, ceux qui ont consommé ce contenu-là et disent, OK, c'est la personne qu'il me faut, mais derrière, ils vont pouvoir travailler avec ses partenaires, qualifiés.
Marketplace, ça a souvent deux faces, quoi. Et c'est une communauté, là. Donner et recevoir, mais j'imagine que tu as dû penser, comment je me protège contre ceux qui sont là juste pour recevoir? Bon, bonne question. Je suis en train de réfléchir. Justement, je pense pas que ce soit possible. Si, tu me diras, tu as des personnes qui seront juste là pour consommer du contenu, pour payer des séances de travail gratuites et rien donner en retour. Par exemple, ou Mais d'autres qui viennent se dire, bah tiens, je vais me mettre dans ton environnement parce que je veux récupérer des clients, mais comptez pas trop sur moi pour donner. Allez, envoie-moi les clients, mais. tu en auras, et je pense, moi je suis OK avec ça. Je dis OK, si t'as pas envie d'être producteur, si t'as pas envie de donner, OK, il n'y a pas de souci. En sachant que pour avoir discuté avec pas mal de personnes, tu en as beaucoup qui sont dans cette optique de pas vouloir donner aussi parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, se sentent pas légitimes pour le faire. T'as cette notion-là. Après, évidemment, tu as des personnes qui ont juste pas envie de le faire, et encore une fois, c'est OK avec ça. Dans un écosystème, quoi qu'il arrive, je pense que même inconsciemment, tu donnes quand même quelque chose de minime. Ne serait-ce que, par exemple, tu as consommé un contenu, bah tu vas encourager cette personne qui a fait ce contenu à en produire d'autres. Parce que donc, personne n'a plus. Inconsciemment, tu donnes, en fait. Évidemment, il y a plus des personnes qui ont plus des notions de production, de consommation, mais je pense que quoi qu'il arrive, il y a un échange d'énergie. Peut-être minime, mais il y a un échange d'énergie, et s'il y en a un, ben c'est positif. Donc tu es en train de monter quelque chose qui est à la fois un écosystème mais aussi une communauté. Ouais. Donc moi je crois aux tribus, hein, je crois à des tribus, c'est-à-dire des petites communautés autonomes qui ont un fort lien entre elles, parce que je crois que c'est important pour la résilience, hein, c'est évident. De toute façon, on est câblé pour grandir et vivre dans des tribus. Il y a très très peu d'individus capables de vivre en dehors d'un groupe et en dehors d'une tribu. Et on voit bien actuellement quand on commence à leur dire non, non, reste chacun chez soi et arrêtez d'interagir, ça fait des ravages en termes de morale, de peur, etc. C'est une catastrophe. Ça nous amène sur la notion de marketing de réseau, parce que tu as parlé de marketing de réseau à l'origine. Tu avais prévu du marketing de réseau, tu étais. Quel est le lien entre la communauté et le marketing de réseau là pour toi? À la base, si on revient à pourquoi j'ai fait du marketing de réseau, ben en fait, c'était pas un choix. J'avoue qu'à la base, j'avais peut-être pas une très bonne image du marketing de réseau, tu vois, un Comme peu comme beaucoup. en France. On a peut-être une image un peu de système pyramidaux ou de vente à domicile qui, donc, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu dis, ben, je suis pas fait pour faire ça. Mais c'est vrai. Et finalement, un jour, ben, un ami m'en a parlé. Je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et justement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des gros résultats dans ce modèle-là, et qui, justement, avec une vision, et qui avait cette capacité, justement, à pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Il a su m'amener dans ce monde. Il a su me montrer, ben, que derrière, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de caché. On va dire le petit trésor caché, on va le dire comme ça. Et je me suis dit, ben, en vrai, il y a quelque chose à faire. Les valeurs m'ont parlé, je me suis lancé. Et en fait, ça fait quand même pas mal d'années, du coup, que ça fait 3 ans maintenant que je suis dans un modèle de marketing de réseau en parallèle, qui marche très bien, qui me tient à cœur aujourd'hui. Chose qui n'était pas gagnée au début, mais qui me tient à cœur aujourd'hui. Et inconsciemment, ces valeurs du marketing de réseau, je pense, elles sont ancrées en moi, et elles se sont retransmises dans cet écosystème aussi. Je pense que cet écosystème, peut-être, je ne l'aurais pas créé si j'avais pas été dans le marketing de réseau. Je pense, peut-être, j'en sais rien, finalement. Qu'est-ce que tu as repris justement? Parce que ça m'intéresse, parce que j'estime que ma mission, bah, c'est de faire connaître autour de nous aussi pourquoi le marketing de réseau, c'est quelque chose de sérieux et d'intéressant, au-delà de, comme tu disais,
porte à porte et aller emmerder les gens et jeter des produits à la tête. C'est l'image que je prends souvent. Ce n'est pas tout à fait ça aujourd'hui. C'est plus ça certainement au XXIe siècle. Donc, quelles sont les valeurs que finalement tu as pris d'un côté pour hop, les amener dans cette communauté d'entrepreneurs? Tu as par exemple cette notion, ben, forcément de collaboration. Quand tu parles, ben, de, voilà, un réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui vont travailler ensemble dans la même direction pour grandir individuellement, mais faire grandir en même temps ce réseau. Donc, en gros, c'est une tribu, c'est une communauté, un réseau. Et, ben, concrètement, c'est ce que je veux mettre aussi en place, cet écosystème, de façon différente, mais ça reprend exactement les mêmes fondamentaux, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette notion d'engagement, ça c'est plus au-delà de l'écosystème, c'est plus sur mon modèle d'agence entrepreneuriale dans lequel je me rémunère que si l'autre réussit en fait. Je me rémunère en fonction du résultat d'exploitation qu'on arrive à dégager ensemble. Et ça, c'est que ben, l'idée m'est venue concrètement du marketing du réseau dans lequel ben, tu ne gagnes de l'argent hein, que si tu aides la personne ben, que tu accompagnes à réussir. Ce que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs, on est marketing de réseau, effectivement, s'il n'y a pas de produit qui circule, t'es pas payé. T'es pas payé autant. C'est étrange, mais c'est ce qui en fait l'intérêt. Et autre chose, ouais, et on en revient à se mettre le doigt dessus, quelque chose qui aujourd'hui que j'avais pas du tout vu, que j'ai mis très longtemps à encore le petit livreur. Je sais pas si mon téléphone charge bien. Ok. Ouais, je te disais, quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que le marketing de réseau, ben, comme toi tu le dis, ben, tu l'as compris depuis plus longtemps que moi, c'est en fait c'est du marketing de tribu, tout simplement. C'est du marketing de tribu et je suis fasciné aujourd'hui dont ce modèle fonctionne et dont le principe même est de pouvoir créer des relations entre les gens pour créer quelque chose de puissant en fait. Et c'est quelque chose qui me fascine, la manière dont on amène ça, dont on crée une communauté, dont on crée un ensemble de personnes qui seront toujours là les uns pour les autres et qui ensemble vont pouvoir grandir. Et c'est aussi ce que je veux amener. Comment ça t'a aidé pour définir ton modèle de facturation dans justement ton activité à toi dont tu parlais tout à l'heure? Parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui, toi, tu factures des choses au résultat. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais. Mais si tu veux, au début, dans mon agence, c'était un modèle traditionnel avec un fixe de départ. Sur les projets, je te le dis, c'était entre. Ouais. Là, il s'est passé un truc bizarre qui ressemble plutôt à une explosion dans Oui. mon environnement et c'est pas un artefact du téléphone. Ouais, ok. Bon, vas-y, vas-y, pardon. Rien de grave, en tout cas. Bah, c'est pas si proche que ça, mais je sais pas ce qui se passe. Enfin bon, ouais, vas-y, pardon. Ouais, donc du coup, pour revenir, ouais, en gros, à la base, j'étais sur un modèle plus, on va dire, coaching business haut de gamme, dans cette agence-là, plus stratégique, moins de l'opérationnel. C'était des facturations sur les projets entre 6 et 20 000 euros pour 6 mois. Et en fait, je sais pas, petit à petit, je m'y reconnaissais plus dans ce modèle-là. Et encore une fois, j'étais un peu dégoûté de tous ces nouveaux entrants sur le marché qui voulaient vendre aussi des prestations très haut de gamme, alors qu'ils n'avaient pas forcément. Mais enfin, il y en a qui sont très très bons dans le milieu et que je recommande fortement, qui méritent amplement ces primes. Il y a tellement d'interacteurs différents que le marché vraiment commence à être saturé. J'aime bien me dire à penser out of the box. Quand il y a trop de personnes qui ont quelque chose, je me dis OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de la masse? Et faire quelque chose de différent. Et là, ben, du coup, en fait, naturellement, je me suis dit, mais putain, j'ai beaucoup putain, c'est le sud-ouest. C'est le sud-ouest, voilà. On est entre nous, on dira rien. Personne nous écoute. Ou pas. Mais ouais, je me suis dit, du coup, putain, en gros, ce que j'aime faire et sur quoi je suis le meilleur, c'est pas conseiller les gens, c'est pas former les gens, mais c'est entreprendre avec eux. Et faire les actions avec eux. Donc être avec eux un moment, quoi. C'est pas du,
du done for you, c'est vraiment du done with you, en fait. Vraiment, on fait ensemble, main à la main, et c'est en fait comme si on était associés. Et ça reprend un peu, encore une fois, des valeurs des marketing relationnels, où c'est qu'on fait des choses ensemble, on n'est pas là juste pour te former, etc. On est là pour mettre les mains dans le cambouis ensemble et te faire grandir ensemble, et on aura des résultats ensemble. Et si tu as des résultats financiers, j'en aurai aussi. Donc, on reste indépendant, mais c'est comme si on était associé pendant un certain temps. Et du coup, toi, tu es intéressé également au résultat. Ouais, c'est ça. Et on part sur des prestations de 6 mois. Juridiquement parlant, c'est une prestation de service. Mais en termes d'état d'esprit, d'ailleurs, on est plus. C'est pas une relation client-fournisseur, on va dire. C'est plus une relation. On est ensemble pendant 6 mois. C'est comme si on était associés. Évidemment, moi, je vais donner une trame. Je vais guider pour l'atteinte de la vision, de l'aspiration, de donner un chemin. Peut-être de temps en temps prendre peut-être une posture de coach, même si c'est pas celle que je préfère. De temps en temps, je suis obligé de la prendre. Mais la plupart du temps, c'est on est associés, on fait les choses ensemble, on se répartit le travail et on y va. On va vite, on se met à l'action, on se trompe rapidement et on itère jusqu'à trouver les bonnes solutions pour que tu puisses faire une croissance exponentielle. Et d'ailleurs, pour que moi, je puisse aussi financièrement m'y retrouver. Tout à fait. Et du coup, là, t'es pas dans la vente de ton temps, parce que si ça prend le double de temps, bah, tu passeras le double de temps, quoi. Ça. En fait, c'est vraiment très variable sur les accompagnements. En fait, ça peut prendre 3 heures par semaine comme prendre 10 heures par semaine. Ouais. Donc, tu maîtrises pas bien, mais c'est vrai que si tu passes de 3 à 10 heures, bon, tu fais x3, mais si ça fait x30 en termes de revenus, t'es gagnant. Oui, c'est ça. Et si ça marche pas? Ouais, c'est ma faute. Et bien, le client, il paye pas, quoi. Enfin, il paye pas, ça n'a pas marché, tu vas toucher 30%, je sais pas quel pourcentage tu prends, mais fois zéro, ça fait toujours zéro. Après, je prends quand même un petit fixe de départ qui me permet de faire un filtre parce que sinon tu retrouves avec tout n'importe quoi et après tu peux pas le fixe de départ est très bien, il permet de filtrer, de garder vraiment que ceux qui en veulent et ceux qui ont déjà un peu cet état d'esprit de vouloir investir sur eux et de vouloir progresser. Moi, je le mettrais en parallèle, tu sais, avec en marketing de réseau, on peut démarrer avec pas grand-chose, mais généralement, il y a quand même un peu de mise de départ, au moins pour avoir tes produits, soit pour les montrer, soit pour avoir ta propre expérience produit. Même si, il me semble qu'en droit français, on peut démarrer avec juste pas forcément de produits. Sauf que j'estime que c'est le meilleur moyen de te planter, parce que pourquoi on devrait allouer du temps à quelqu'un qui découvre même pas les produits? C'est fou. Alors que, ok, si t'es motivé, que t'as vraiment pas d'argent, bah, trouve des clients qui sont prêts à te les pré-acheter et tu vas les lui vendre. Mais au moins, ça prouve que t'es présent, quoi. T'es là. C'est à l'inverse, quelqu'un qui démarre avec rien mais qui a trouvé quatre clients à qui il revend son stock de départ, avant même de l'avoir à la maison, bah, lui, il est motivé pour le coup. En tout cas, il Non, te l'a prouvé. Il a prouvé qu'il mérite ton temps et ton attention. Ouais, Donc de toute façon, c'est un peu pareil, quoi. dans le marketing de réseau, tu as toujours plusieurs visions hein, pour voir comment le développer. Mais ouais, tu le dis, je pense qu'il faut le voir vraiment comme un modèle. Enfin, il faut le voir. Ça reste que ma vision. Mais moi, j'aime bien le voir comme ça. Aujourd'hui, je m'associe, encore une fois, les partenaires avec qui je m'investis. Aujourd'hui, je fais vraiment un filtre dès le départ et je refuse beaucoup de personnes. C'est un choix. Peut-être, je laisse pas la chance à tout le monde. Si la personne déjà est pas prêt à démarrer avec l'achat d'un minimum, c'est même pas la peine. Alors, pour être sûr que ceux qui nous regardent aient bien compris, parce que pour moi, ce n'est pas forcément très clair, je veux dire, tu vends quel type de résultat avec les gens avec qui tu t'associes? Alors, on parle de quel modèle là? Bon, je parle bien du modèle d'agence. Ah, d'agence. Aujourd'hui, le résultat, concrètement, pour donner un peu la cible des personnes avec qui je travaille, ça, évidemment, c'est divers et varié, mais il y a un persona à qui je m'adresse particulièrement. En gros, c'est l'indépendant qui s'est déjà formé, peut-être qui a déjà pris du coaching, etc., mais qui se heurte à un plafond de verre entre 2 et 5 000 euros de revenus par mois, qui veut vraiment passer à l'étape supérieure, ça lui tient à cœur, voilà, parce qu'il a des aspirations particulières.
Et l'objectif, c'est de le faire vraiment faire une croissance exponentielle. Et dans les 6 mois, c'est tout dépend, mais le but, c'est de générer au minimum, au grand minimum, 30 000 euros de résultats d'exploitation. Ça, c'est pas rentable pour moi. Donc, ça veut dire que tu vas l'aider soit en positionnement prix, soit en positionnement marché, soit en technique, soit en automatisation. Enfin, je veux dire, tu te donnes la liberté d'utiliser un peu n'importe quelle corde pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, ben on va venir peut-être un peu plus au concret. Il y a la méthode, mais justement, il y a quelque chose que aujourd'hui j'en ai marre, c'est les méthodes. Les méthodes. Aujourd'hui, tu as tellement de personnes qui te vendent la méthode ACA, la méthode JG, j'en sais rien, tu vois. Tout le monde invente ses propres méthodes qui peuvent marcher comme ne pas marcher, ça c'est un autre sujet. Et il y a des méthodes qui fonctionnent très bien, sauf que elles s'appliquent à un contexte particulier, à une typologie de personnes, avec un marché particulier, un environnement particulier, un contexte particulier. Enfin, il y a tellement d'interacteurs qu'aujourd'hui, avoir une méthode, c'est un temps bien et pas bien, mais ça a tendance aujourd'hui à enfermer les gens dans des choses. Et les gens qui viennent vers moi, souvent, c'est ça, ils ont acheté des méthodes, sauf que c'est pas des méthodes les plus adaptées pour eux. C'était pas ce dont eux avaient besoin. Pas eux ce qu'ils avaient besoin parce que ça correspondait pas soit à leur marché, ça leur correspondait pas à eux, ça correspondait pas au contexte actuel parce qu'aujourd'hui on l'a vu dans le coronavirus, un contexte peut changer très très rapidement. Et donc le but en fait c'est vraiment ramener tout ça aux fondamentaux et une approche vraiment entrepreneuriale. Et aujourd'hui la quête d'un entrepreneur c'est trouver le business model qui va l'amener à sa vision, ni plus ni moins. C'est trouver le véhicule qui va l'amener à sa vision. Ce véhicule, ça se transmet sur un business model. Voilà, la quête d'un entrepreneur, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voit qui est la personne à la base, qui il est, quelle est sa vision, quel est son business model actuel. Et de ce business model-là, soit on le fait grandir, on va régler ce qui va pas, soit on va complètement le réinventer, soit on va le créer si vraiment il n'existe pas. Et derrière, ben, on va pouvoir actionner les leviers qui vont permettre de pouvoir améliorer tout ça. Je peux te donner un exemple. Si tu prends dans ton business model, tu as plusieurs sphères. Ça peut être le marché qui est pas bien ciblé. Ça peut être la proposition de valeur qui est pas bonne. Ça peut être les canaux de distribution. Donc, comment qu'il y a des clients qui sont pas bons. Ça peut être le service client qui est pas bon. Par exemple, si tu vends des chaussures en ligne, la clé, c'est le service client. Si t'as pas un service client hors norme, les gens t'achèteront jamais de chaussures en ligne. Donc t'es quasiment dans du conseil en presque comment start-upiser des entreprises existantes. Et on va C'est revoir le business model parce que la ça. start-up, c'est ça, c'est une entreprise qui est en train de découvrir son business model. Ouais, mais la culture que j'amène, c'est une culture aussi amenée du monde startup. En fait, c'est un mélange de cultures. Durant mes études et mes premières années de travail, j'ai été dans le monde de l'industrie, en stratégie industrielle. Donc, mine de rien, il y a des choses que j'ai piochées qui font partie de moi. J'ai aussi fait du business en ligne, j'ai aussi fait du marketing de réseau, j'ai aussi fait de la prestation de services et j'ai aussi tenté de créer des startups. Et en fait, de tout ça, en fait, enfin, je me suis constitué comme ça et aujourd'hui j'ai une culture, je pense, qui m'est propre par rapport à ce que je fais et qui est quand même mine de rien pas mal influencée par le milieu startup. Ouais. Ouais, j'aurais dû, je dis pas j'aurais dû parce que je ne supporte pas, mais j'aurais pu poser cette question très française qui est dire, t'as fait quelles études? Mais sérieusement, tu parlais d'études, on a toujours pas parlé, mais quelles études avais-tu fait? Alors, moi aujourd'hui, en termes d'études, on va dire, je me suis perdu beaucoup de fois. En fait, durant mes études, j'ai jamais trouvé ce que je voulais vraiment faire. Je vais revenir très très lointain parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quand j'étais en moyenne section, on m'a posé une question. Ouais, on revient loin là. On m'a posé une question de quel métier tu veux faire quand tu seras grand? En moyenne section, et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que moi j'avais en tête de m'amuser, de faire plein de choses, mais j'ai pas en tête de faire un métier. Je me suis dit, Pourquoi entrer dans une case?
Moi, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Et toute ma scolarité, j'avais l'impression qu'on voulait me mettre dans une case et qu'on dit choisis un métier, choisis un métier. Et une vie pro, et après, ta vie perso, ben, tu la rangeras un peu comme tu voulais. Et ce qui fait que j'étais un peu en acte de rébellion un peu par rapport à ça. Même si j'avais quand même quelques facilités, ce qui fait que voilà, j'ai jamais été forcément trop en difficulté. Mais voilà, j'y avais aucune passion, aucune envie. La seule chose que je voulais, c'était le plaisir immédiat, m'amuser, être avec des amis. Et je me suis un peu perdu. J'ai fait de l'économie. Après, j'étais en plus en technique, en électrotechnique, automatisation. Puis petit à petit, je me suis orienté vers un master en management de projet et stratégie industrielle. Et durant ces études-là, j'ai eu l'occasion de faire un bootcamp en entrepreneuriat organisé par l'école des mines d'Albi. Et je me disais, ouais, ben, dans ma vision, le chef d'entreprise, c'est son propre patron, il fait ce qu'il veut. Je me dis, ouais, ça va être sympa, ça. Et là, c'était en mode bootcamp, donc on faisait du 12-13 heures par jour de travail. Et c'est la première fois de ma vie que j'arrivais à bosser 12-13 heures par jour sur un projet et me dire, mais en fait, je bosse et je m'amuse. Je m'amuse. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Et après, à la sortie de mes études, plutôt que travailler chez un grand groupe comme je pouvais, je me suis dit, ciao, j'ai monté ma boîte. Et puis voilà, après, il y a eu des instants de galère, des instants de réussite. Et puis aujourd'hui, écoute, je suis plutôt pas mal, épanoui et serein. Ben, bravo, bravo, parce que justement la France aime tellement mettre les gens dans les cases et dire ah ok donc tu viens des mines de machin donc tu vas aller travailler chez Bidule pendant X années et après chez Intel pendant X années et si t'as pas atteint tel niveau à tel âge alors tu ne passeras pas au niveau qui a le vrai pouvoir. Enfin bref, ça convient pas à tout le monde. Ça convient à beaucoup de gens, et une fois que tu es pris sur cette échelle-là, c'est dur d'en sortir, et c'est là aussi que le marketing de réseau permet de faire les deux en même temps, quoi. C'est quand même pas mal de pouvoir dire que tu n'es pas obligé de lâcher la proie pour l'ombre pour sortir. Alors, toi, tu es parti direct quand tu es jeune, c'est vrai que c'est plus facile de lâcher et d'aller direct en entreprise que tu crées toi-même parce que tu as moins de charges, mais d'un autre côté, tu n'avais pas non plus tout le vécu qui va derrière. Tu n'avais pas forcément le réseau au début. Ouais, et toi, pour rebondir sur ce que tu me dis, ça me fait penser un peu au début, j'avais cette vision un peu pyramidale du marketing de réseau, et en fait, au final, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement inversé. Les vraies structures pyramidales, c'est nos entreprises, c'est nos organisations traditionnelles. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de tenter l'aventure avec cette personne qui m'en avait parlé. C'est que dans le milieu traditionnel, en fait, pour pouvoir évoluer, bah, tu es obligé d'attendre que la personne au-dessus de toi, soit elle soit virée, soit elle augmente, Soit soit d'aller elle à son pot de départ à la retraite. par la retraite, un burn-out, Allez, c'est le allez, bilan allez, allé. Allez, de la vie. cassez-vous. Faites-moi de Et la ça, place. je peux améliorer, en fait, ton autant financier que de challenge professionnel, etc. Au final, il est plombé. Ça dépend pas de toi. Ta grande entreprise, t'as quand même un jeu politique. À savoir, encore une fois, aller voir les bonnes personnes, faire ami à telle personne, etc. Et ça. Alors que dans ce marketing de réseau-là, comme on en parlait, ben en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais être rémunéré et je vais avoir le niveau social qui correspond à ce que je suis. De point de vue entrepreneuriat dans ce modèle, évidemment. Mais je me suis dit, voilà, en fait, quoi qu'il arrive, bah, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour pouvoir grandir et je serai à la place où je devrais être. Ça me plaisait. C'est vrai que c'est un modèle dans lequel la rémunération est la plus pure, dans le sens où tu sois blanc, jaune, noir, vert, rouge, homme, femme, jeune ou vieux, diplômé ou pas, tu es payé de la même manière au pourcentage de ce que tu arrives à générer pour l'entreprise. Point. Donc Mais ça fait peur pour ceux qui avaient du capital social, je le comprends très bien. Ah, on va quand même pas s'abaisser à faire ça. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour ceux qui avaient justement raté tous les brins de l'école, tout le capital social
que notre pays considère comme étant si important, quand tu l'as raté, il te reste quoi? Bah, il te reste de travailler comme un forçat ou de travailler intelligemment avec cette opportunité-là. Alors, il y en a peut-être encore d'autres, mais au moins celle-là existe. Non, mais ouais, c'est sûr. Et comme tu le dis en termes social, c'est quelque chose qui peut faire mal à l'ego. Bon, moi, je sais que mine de rien, j'avais quand même pas mal d'ego. Au début, ça marchait pas comme je voulais parce que je voulais aller très vite, avoir beaucoup de résultats rapidement. Et en fait, je me suis confronté, j'ai dû me regarder dans le miroir. Je me suis dit, en fait, Aurélien, t'en prends qu'à toi et t'es pas la personne qu'il faut actuellement pour pouvoir avoir des résultats. Il va falloir que tu travailles sur toi. Autant personnellement que professionnellement, et c'est une super école de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je recommande à toute personne qui veut entreprendre de pouvoir commencer avec ce modèle parce que ça forge vraiment un homme, autant personnellement que professionnellement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver, du coup, pour suivre, ou même pour ceux qui nous regardent et qui veulent participer à ton écosystème, où est-ce qu'ils vont pouvoir le retrouver? Bah écoute, je sais pas, hein, si tu le publies sur YouTube ou autre, est-ce que je peux te donner le lien, comme ça Ah les gens oui, tout à pourront. fait. Ben, sur YouTube, on a mis le lien dans la description ci-dessous, donc vous allez le retrouver. Donc voilà, les gens peuvent me retrouver là. Sinon, en termes de réseau, moi, ma messagerie est toujours ouverte sur LinkedIn. Je suis très très actif, comme tu le sais dessus. Donc les gens peuvent m'ajouter, ils peuvent essayer de peuvent communiquer avec moi. Je réponds à chaque fois. Et après, ouais, je t'enverrai les liens pour l'écosystème. Super. Bien, merci du temps que tu nous as consacré, Aurélien. Bon développement et on espère que cet écosystème va donc se nourrir d'énergie et grandir. Et pour vous qui nous regardez, si vous êtes encore là à ce moment-là, c'est que vous êtes intéressé. Donc je vous engage à contacter Aurélien sur LinkedIn. Vous avez compris que c'est là qu'il faut le contacter préférentiellement. Et puis dans mon cas, bah, je vous dis, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo parce que ça nous encourage à aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Et puis, si cette vidéo peut aider quelqu'un, bah, partagez-la. Et on se retrouve tous les jeudis soirs à 21h parce que Zéro Marketing, c'est aussi une émission en direct tous les jeudis soirs à 21h. De manière à ne pas rater, parce que je pourrais changer de plateforme, bah, rejoignez mon groupe Telegram. C'est là que je diffuse des contenus particuliers. C'est là que moi, je nourris mon écosystème désormais. Le point d'entrée, c'est Telegram. Voilà, donc il faut arroser l'écosystème, il faut le nourrir si on veut qu'il grandisse. Merci à toi Aurélien. Merci Cyril. Et puis à la prochaine.